Lys Novelis. T'es où? Je crois que tu dois être dans les mauvaises toilettes. Ou alors c'est moi, désolé. Il faut reconnaître que le plus gros avantage quand on est une fille, c'est la propreté des toilettes. Enfin bref, j'ai un problème. Je suis comme toi, tenue à l'écart. J'ai remarqué que les adultes de la ville étaient de plus en plus bizarres. Mais personne ne m'écoute. J'ai commencé à recouper les Instagram de tout le monde pour voir si je trouvais un lien. Et c'est là que c'est arrivé. Quelqu'un a annulé mon forfait de portable. Mon mobile est mort. Celui qui a fait ça doit payer. Je vais aller voir l'opérateur de mobile pour savoir ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas y aller seule. J'ai besoin de toi. Tu es la seule personne à pouvoir comprendre. Ok, je te suis. Oh, salut Lys Novelis. D'accord, tu te sens d'attaque pour faire ça? Oui, c'est parti. Si je ne peux pas me servir de mes mobiles, je ne peux pas sauver cette ville. Allons voir ce qui déconne. Bienvenue chez D-Mobile, que puis-je pour vous? Les hommes crabes. On dirait des crabes, mais ils vendent des portables comme tout le monde. Oui, j'ai quelques problèmes à me connecter à Internet. Votre nom et votre numéro de mobile, s'il vous plaît. Votre nom et votre numéro d'immobile, s'il vous plaît. Et une minute, ce n'est pas vous qui étiez ici la semaine dernière? C'est vrai, nous sommes des hommes. Chut, nous sommes des gens heureux de travailler dans un si bel endroit. Puis-je vous proposer un nouveau forfait incluant jusqu'à 5 gigaoctets de données par mois? Non, je veux juste que mon téléphone marche. Humain insolent, comment oses-tu refuser notre forfait data? Je le savais, les hommes crabes ont mis la main sur la compagnie de téléphone. Elle nous a démasqués. Rabatteuse, sauve-nous. Allez, Lovo, on va les mettre en miettes. Allez, Lys Novelis. Ne nous obligez pas à appeler le responsable. Les hommes crabes. Contente de travailler avec toi. Notre responsable qui se pointe. C'est qui lui? Employé du mois. Nom et numéro d'immobile, s'il vous plaît. Waouh. Après ce que je viens de faire, t'as plus qu'à déménager. Occupe-toi du crâne en chef, Lys Novelis. Boum. Il lui reste un HP. Tu vas appeler qui? Ah non, là, c'est ça. Yeah. Oh, merci, rabatteuse. Je ne sais pas ce qu'ils étaient, mais ils sentaient le crabe et embrassaient comme des gens. Comment te remercier? Fais en sorte que mon téléphone remarche, ça ira. Oui, oui, bien sûr, rabatteuse. Merci d'avoir sauvé la boutique de portable, une fois de plus. Merci, la nouvelle, mais j'ai l'impression que c'est pas fini. Si tu sens une odeur de crabe, appelle-moi. Yeah, on a débloqué rabatteuse. C'est le nouveau! Par ici! Très bien, écoute, ceci est une mission très importante. T'es d'attaque? Yes, comme toujours. Eh bien, ramène-toi! Les potes de la liberté en avant! Nous sommes là pour le service communautaire! Oh, formidable! Écoutez, des enfants de la ville sont venus nous chanter des chansons. Quoi? Oh c'est qui? Ils sont enthousiastes, hein? J'aime caresser mon triangle fait. Quand je suis triste, j'aime entendre mon triangle faire. Ça remonte le moral. Est-ce qu'on va voir si ils disent quelque chose si on le fait pas? Et me fait sourire. C'est nul. Désolé les amis, il est nouveau. J'ai caressé mon triangle fait. J'ai caressé ma mandoline fait. Quand je suis triste, j'aime entendre ma mandoline faire. Ça monte le moral.
et me fait sourire. Descends de la scène. Quoi? J'aime caresser ma mandoline, fait. J'aime caresser mon bug, J'aime caresser mon bug, Quand je suis triste, j'aime entendre mon bug le faire. Ça me remonte le moral. C'est dégoûtant. Et me fait sourire. On revise. Hey, c'est lui. C'est le justicier péteur des infos. Hein? C'est le môme qui confisque les drogues en ville. Le justicier veut nous voler notre père Cossette. Ouais, ouais. Waouh, on va se taper contre les vieux. Ah, tous ces vieux énervés, c'est pas vrai. Oh seigneur, faut qu'on joigne la sortie, cher pape de la liberté. Désolé pour ton tour. Le revoilà, encore. Oh là, qu'est-ce qu'il veut lui? Oh bordel, mais qu'est-ce qu'il faut? Bonne nouvelle tout le monde, j'ai mon bouclier. Allez, ciao. J'y vais mais je reviendrai. D'accord. D'accord, je crois que je suis prêt. Glaciation. Ah, je vais envoyer une lettre bien sentie au journal à propos de vous, sale gamin. Je savais que j'aurais dû mettre une petite laine. What the fuck? Souvenez-vous de ce jour. C'est le jour où vous êtes mort. Oh, ça suffit maintenant. C'est l'heure de sortir son Tupperware. Voilà ce qu'on gagne à s'en prendre. On a réussi. En vrai, c'est tellement con, hein. Je faisais juste de mourir, hein. Doc, ici Mysterion. On a eu des problèmes, mais mission accomplie. Bien joué, tout le monde! Félicitations, nouveau! Te voilà officiellement membre des potes de la liberté! Tu peux venir avec nous ce soir pour la mission au poste de police. Nous avons établi que la police était payée par le patron du crime de cette ville. C'est vrai! Nous pensons que nous trouverons les réponses là-bas. Bienvenue dans l'équipe, mon ami! On se voit ce soir! Ne dis à personne qu'on va au poste de police! Ah, te voilà, toi! Eh bien, viens t'asseoir! Vous voyez, apparemment, il y a une légère querelle, vous voyez. Craig et Twig ont accepté de suivre une thérapie si tu y assistes, Lys Novelis, vous voyez. Alors, Craig, qu'est-ce que tu as à dire à Twig? Je crois surtout que c'est lui qui a des trucs à me dire. Vous voyez, Twig, tu veux commencer? S'il la joue comme ça, j'ai rien à lui dire. Vous voyez, Lys Novelis, si tu nous faisais part de tes réflexions. Vous voyez, ça ne se passe pas très bien. Bon. Les garçons, j'aimerais qu'on fasse un exercice, vous voyez. J'ai demandé à des enfants de nous aider. Quand on veut faire une thérapie, la première chose à faire, c'est se débarrasser des reproches, vous voyez. Alors, lâchons nos reproches. On les lâche, c'est à vous, les reproches. Vous voyez, et ensuite, dans une relation, on a les attentes, vous voyez. Parce que les attentes mènent aux reproches. Ce qui, bien sûr, conduit aux accusations. À vous, les accusations, vous voyez. Et tout ça aboutit nécessairement au sentiment de persécution et au repli sur soi, vous voyez.
Maintenant, il faut triompher de tout ça, vous voyez. Vous êtes prêts? Cassez-leur la figure! What the... Allez-y, Twig et Craig, mettez-leur une raclée! Toi aussi, Listomélis! Ah bah d'accord, c'est cool. Ça apprendra aux attentes à être irréaliste. Vous n'avez jamais vu de météo pareil. Et maintenant? Les attentes sont coriaces pourtant. Il y a toujours des attentes. Ouah, il y a encore du monde. Ah, ah, mon dieu. Vous devez travailler main dans la main si vous comptez éliminer toutes ces attentes, vous voyez? Twig, il a raison. Hein? Ce n'est qu'en restant solidaire qu'on se débarrassera de ces attentes et de tout le reste. Craig! Ouais, on y va, Craig! Mes tempêtes vont tout renverser devant elle. C'est parti. Ima da yo. Kimi no chikara o boku ni todai. Ah, kitari de issho ni iko. Afure dashita Eros wa totsu tonari sekai o mekasu. Vous vous sentez mieux, non? Ouais, c'est vrai. Moi aussi! D'accord, alors revenez me voir si vous avez besoin de conseils, vous voyez, c'est fini. Et merci de ton aide, Listomélis. Ouais, mort aux attentes! Merci de nouveau. Il reste du chemin à faire, mais je crois qu'on en a tous les deux envie maintenant. Viens, Craig! Je vais te rendre ton ordi! C'est notre ordi, Twig.